Écoutez le Saint du jour sur Radio Maria Libreville. Shalom, frères et sœurs, auditeurs et auditrices de Radio Maria. Que la paix soit sur vous. Aujourd'hui, 25 janvier, la Sainte Église célèbre la conversion de Saint Paul en l'an 34. Écoutons attentivement la transformation de la vie de Saint Paul par le Seigneur, sa foi et son zèle apostolique. Saint Paul était juif de la tribu de Benjamin. Il naquit à Tarse en Cilicie, dont les habitants étaient considérés comme citoyens romains. Il reçut une instruction fort soignée et devint, jeune encore, l'un des membres les plus distingués de la secte des pharisiens. Son attachement aux traditions de ses pères, sa haine contre les chrétiens, sa présence au supplice de Saint-Étienne, son acharnement à poursuivre les disciples de Jésus-Christ, à les traîner en prison, à les battre de verges, ont poussé les interprètes de l'Écriture à voir en lui la réalisation de la prophétie de Jacob concernant son fils Benjamin. Benjamin est un loup ravisseur, mais une hymne chrétienne a heureusement complété l'application de la prophétie en 10 ans. Le loup ravisseur s'est changé en agneau. Saul, c'était le premier nom du grand apôtre, approchait de Damas où il allait persécuter les chrétiens, accompagné de soldats et d'émissaires de la synagogue de Jérusalem, quand tout à coup, il est renversé de son cheval et couché à terre par une force invisible. Une éblouissante clarté l'environne et une voix lui dit : « Saul, pourquoi me persécutez-vous ? Qui êtes-vous, Seigneur ? Je suis Jésus que vous persécutez. Seigneur, que voulez-vous que je fasse? Levez-vous, entrez dans la ville et là, vous apprendrez ce que vous devez faire. » Saul était devenu aveugle. Ses compagnons le conduisirent à Damas. Un serviteur des dieux nommé Anani, averti en songe, alla le trouver, lui rendit la vue et lui conféra le baptême. Dès lors, Saul, devenu Paul, n'est pas seulement un converti, un chrétien, c'est un apôtre, c'est l'apôtre par excellence qui étonnera le monde et fera l'admiration des siècles par ses écrits sublimes et inspirés, par ses saintes audaces, ses travaux, les merveilles de son apostolat et la gloire de son martyr. Que de leçons dans cette conversion étrange et foudroyante. Nous y voyons la puissance toute divine de la grâce à laquelle rien ne résiste. La sagesse de Dieu qui se plaît à confondre la fausse sagesse du monde. La miséricorde inénarrable du Seigneur qui ne rebute personne et peut faire du plus grand des pécheurs le plus insigne des saints. Ne désespérons jamais du salut de personne. Tout est possible à la prière et à la grâce. Nous ne comprendons bien au ciel, quelle a été l'influence de la prière dans le monde et combien de pécheurs devront
leur salut à l'intercession des justes. Saint Augustin a dit fort justement, si Étienne n'avait pas prié, nous n'aurions pas eu Saint Paul. Saint Paul, modèle de foi au Seigneur. À tous ceux qui portent le précieux prénom de Paul, nous vous souhaitons une très belle fête patronale. Soyez saints comme votre saint patron. Que la bénédiction de Dieu descende sur nous. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. À demain pour le Saint du jour. Écoutez le Saint du jour sur Radio Maria Libreville.